Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo partenariat avec le site Everyday eDeals. Donc c'est le premier partenariat que j'ai avec cette boutique. J'en suis très contente. Donc déjà, merci à eux de me faire confiance pour ce partenariat. Donc j'ai fait une toute petite sélection pour vous. Pour vous montrer ce qu'il y a dans cette boutique. Donc j'ai un accessoire et une toile. Donc on va voir d'abord l'accessoire. Est-ce qu'il n'est pas emballé? Voilà, donc j'ai pris un stylet. Donc j'adore les stylets. J'aimerais me faire une petite collection. Donc j'ai pris, voilà, ce stylet avec un pompon. Il est vraiment tout doux. Le stylet est pailleté et il y a un petit capuchon et c'est un embout simple. Voilà. Donc je l'ai trouvé trop choupinou et il est vraiment pas cher. Il est à 3,44 €. Voilà. Donc un petit stylet tout doux, tout mignon, très girly. Je l'avoue. Je pense que ma fille va me le piquer. Donc j'essaie de vous faire quand même des vidéos avec, les vidéos de cette toile avec, puisque du coup je vais réaliser la toile dans pas longtemps et je vais le faire avec ce stylet. Donc la toile, c'est dans une pochette qui est très difficile. Bon, ça va, elle n'est pas trop difficile à ouvrir. Pas trop résister, donc ça va, très bien emballé. Et donc c'est une petite toile en 30 par 30 en diamant rond. Alors voilà, je pense que ça va pas étonner grand monde ce que j'ai choisi. Donc c'est un tigre autour d'un feuillage bleu. En fait, j'ai trouvé ça très original. Et puis, c'est une petite 30 par 30. Donc, ça va aller très rapide à faire. Donc, par contre, je trouve que les symboles... Je vais vous montrer. Mais je trouve que les symboles ont l'air quand même... Alors, je fais la mise au point, s'il veut bien... Voilà. Je trouve que certains symboles, notamment le... C'est le B. Ouais. Le B ici, il est quand même assez flou, je trouve. J'ai trouvé plus net que ça. Hein. C'est vrai que là, ça a l'air quand même assez flou. Perso, moi, je vois pas que c'est trop un B, là. Hein. C'est pareil, le Z... Et je crois que j'ai vu un petit E là. Voilà, on voit, hein, mais je trouve que c'est quand même un petit peu flou. Mais je pense que je vais pouvoir m'en sortir, peut-être qu'avec la tablette. On va voir dans les orangers. Ah, c'est pas net net, hein, c'est... L'impression est pas nette, hein. C'est, il y a des petits dièses et des petits pourcentages là dans le marron. Vous voyez, c'est pas, non, c'est pas une impression des plus nettes que j'ai eu. Donc vous voyez, hein, c'est pas parce qu'on a des partenariats qu'on dit que du bien de la boutique. Hein. Je dis ce que je vois. Donc c'est on voit hein, les symboles, mais c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas la meilleure des impressions. Donc, puis vous savez que moi j'aime bien quand on voit bien les symboles, comme ça, ce n'est pas une prise de tête. Donc, vous avez la petite image ici. Donc, je vais vous montrer la petite image. Alors, si elle arrive à faire la mise au point. Voilà, la petite image.
Donc j'ai trouvé très original. C'est la première fois que je vois cette image. Donc je voulais vous en faire partager. Par contre, c'est dommage, c'est en 30-30. En passant, on a le petit tableau ici avec les DLC. Donc il y a 20 couleurs quand même pour une 30 par 30. Vous avez la même chose de l'autre côté. Après, les symboles, c'est surtout des lettres en majuscules. Il y a quelques petits symboles, dièse, pourcentage, le petit et là. Mais autrement, c'est. Et puis le slash, sinon, c'est que des lettres majuscules. Donc, diamant rond. Donc, c'est un 30 par 30 avec les bords blancs. Donc, avec, vous avez le petit toolkit. Donc, la petite cire, elle a eu un petit souci. Je pense que la barquette, pendant le transport, l'a transpercée. Mais c'est pas très grave. La barquette, la pince de cire et le stylet rose. Et donc, ce sont des diamants ronds. On va voir. Les couleurs ensemble. Alors. C'est quand même très clair, on va dire, niveau couleur. Et il y a beaucoup de bleu après. Du orange pour le tigre et du bleu pour le fond. Voilà, donc un petit diamant rond. Voilà, donc pour cette petite toile en 30 par 30. Elle est au même prix que le stylet, 3,44 €. Voilà, je vous la remontre. Elle va très bien rendre, je pense, pour une petite taille. Sur le site, vous avez également le layout. Donc, vous voyez ce que vous achetez dans les photos. Il y a des réductions. N'hésitez pas à aller voir en barre de description. Je vais vous mettre le lien des deux articles. Ainsi que le lien du site. Comme ça, vous pourrez aller, aller dessus et visiter cette boutique si vous ne la connaissez pas. Donc voilà, donc j'espère que cet unboxing vous aura plu. Je remercie évidemment la boutique Everyday Deal de m'avoir fait confiance et de m'envoyer ces produits gratuitement. Je vais réaliser la petite toile et vous montrer le produit fini puisque c'est une petite exigence de leur partenariat, donc le déballage ainsi que le produit terminé. Donc bien évidemment je vous ferai cette vidéo rapidement puisque en plus c'est une petite 30-30, 20 couleurs en diamant rond, ça va aller plutôt rapide. Voilà, donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!